Aujourd'hui, on est à l'ETNA pour avoir différents ateliers en fait pour trouver notre GPE, qui est notre grand projet de fin d'études. Le but vraiment purement aujourd'hui, c'était de définir vraiment si on avait un marché sur une idée, si elle était réalisable, s'il y avait vraiment des défis techniques. On avait des ateliers marketing, technique, communication, en espace forum aussi, on pouvait trouver des idées. En voyant les coachs, en fait, on découvre qu'il y a beaucoup plus à faire ou moins à faire. Enfin, on se prend moins la tête, du coup. Et quand on arrive devant le coach, on ne s'imagine pas qu'il y a autant de concurrents sur le sujet qu'on a choisi. Personnellement, moi, je trouvais ça très intéressant parce qu'on a pu avoir pas mal de retours. On en a besoin, en tout cas. Ils nous ont permis de nous orienter sur des projets, soit nos projets étaient trop compliqués techniquement ou bien trop faibles aussi techniquement sur certains projets. Le conseil qu'on a le plus retenu, c'est de trouver une cible en fait, parce qu'on veut toujours faire plusieurs choses. Parce que bon, on part un peu dans tous les sens, on sait pas trop, on demande de trouver quelque chose d'innovant. Bon, quand on regarde la télé, tous les jours, il y a un truc d'innovant. C'est un projet qui va nous durer pendant deux ans et on doit vraiment, en quelque sorte, réapprendre à travailler. Étant donné que là, on va vraiment travailler dans une démarche purement entreprise. On va travailler dans une démarche de gestion de projet avec des personnes à gérer, un projet à maintenir, trouver des nouvelles idées aussi d'amélioration. C'est quelque chose qui va bouleverser notre manière de travailler pour les prochains mois. Ça change notre vision du travail.